ça qui gagne pour avec question économie, hein, bah, finance, de budget. D'ailleurs, le Premier ministre a dit d'un peu fin ratifié, l'après poté et tout, l'après poté, en tout cas, présenter déclaration, l'après gain pour présenter budget rectificatif devant le Parlement pour capable commencer le travail et gagner plusieurs autres promesses qu'elle fait également. Il y a qui a posé question côté l'argent sorti puisque dans la déclaration politique générale, il n'y a pas trois chiffres qui baillent sous, en tout cas concernant moyens et côté l'argent pour sortir pour qu'il soit capable de faire ensemble, concrétiser ensemble de promesses. Ça y est. Donc maintenant, avec question Farel, nous parlons pral model comment santé économie y est, qui gens équipe ça vient joindre santé économie paysan, et puis comment li analyser toute déclaration politique générale Premier ministre là Jacques Guy Lafontaine qui est même pas gagné pour aller devant chambre des députés hein, pour présenter déclaration politique générale li, qui déjà joigne bénédiction Sénat République là. Donc tout à l'heure n'a pas rejoindre Kistner Farel qui m'a donné deux minutes le temps pour lui capable mettre le OK pour passer et au Douglas pour capable répondre question. Mais nous gagne sous yeux nous là bon ouais, c'est une lettre qui t'a dit que c'était Alfredo Antoine, c'est ça, Alfredo Junior Antoine, député Kinskoff, qui lui-même t'a fait partie de commission qui était chargée pour analyser dossier Premier ministre nommé Jacques Guy Lafontaine. Donc il a décidé retirer Col dans en commission aussi là, donc il a démissionné, c'est ça non ouais non copie lettre ça qui a joint président chambre des députés Charles Chancier, et puis député Jean Wilson Hippolyte, c'est copie conforme à député Jean Wilson Hippolyte, pour quelle raison nous pas connaît. Et puis c'est un comportement irresponsable, tout simplement. Non, nous pas connaît, nous pas connaît qui raison, bagage. Non, 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 c'est irresponsable. Si ou capable de retirer corps, c'est pour juste by raison. C'est pour l'homme ça qui est dans la société. Moun peut assumer, moun peut engager, qui font hypocrisie, viennent arriver dans le moment, pas qu'à freiner. Si, au contraire, ou créer plus suspicion, plus brèche, plus doute, la caille moi-même, la caille en bonne lot. C'est même gens, l'autre chose font travail inachevé. Inachèvement travail, yo. Bien plus fragiliser la République. En citoyen responsable, nous payons pour ça. C'est moi-même, si je viens là, pas venir faire nouvelle. Je compte pour me rendre avec PDG. Pour me dire, mais raison, je ne pas venir. Mais on parlementaire, pas qu'à payer, il pas qu'à permettre lui. Yo bal le travail son commission. Non seulement le rabâche le travail, le zigzag le travail, le fait un travail bouillé vidé, et puis pour pas questionner. C'est quoi maman dans la tête de Capel? C'est quoi papa qui va vendre un cochon matin à Capel? C'est quoi ma tante qui va vendre mamie citron à Capel parlementaire? C'est quoi moi qui va payer premier résident, deuxième résident, troisième résident pour lui? Il va pas permettre de faire ça. C'est un manque d'égard à la République. Parce que journalement, la République commence à prendre responsabilité envers une série de monde. Chaque zak moun n'a posé pas de conséquences. Au moun peuple a fini de voter, mandat le poko fini. Il a ge peuple a non inondation, gade non inondation, pas grand moun ki boudan e voli, et puis il a volé pour l'alpio. Sans pour pipitil pa bay résultat. Nan pipitil kote ou confie la bay résultat. Li dit chipe moun circonscription la kaili, li chipe communion, l'al volé pio. Et puis il quitte ou kounia pou kont yo. Pas de monde qui fait intervention pour eux. Pas de monde qui dit rien pour eux. Et puis, même le Parlement, pas de minimum de décence pour dire à la nation haïtienne, n'est-ce que député qui a 4 ans mandat député, hein, qui vient sénateur, combien d'argent la République la paye? Est-ce que la touche à la fois comme sénateur, la touche à la fois comme député de la République, comme député du peuple? Ça veut dire que pas jamais gagné dit. Donc, bon avantage. Si on a 4 ans devant, mandat pour qu'on finisse, l'algouement on l'autre. Pour le vice sénateur. Le sénateur, le Parlement pas dit rien, c'est que l'avantage, il y a de l'argent. Il y a l'argent sénat, il y a l'argent député. Bon, les Allemands des frais dans la chambre des députés, pas capable parce qu'il y a 4 ans devant. Pas de monde qui remplace. On a un bon travail comme une commission, c'est ça qu'on a fait. Ou répondre, oui, on travaille. Et pour rabâcher le travail, ou quitter des brèches. Je ne comprends pas pourquoi quitter des brèches là. Nous quitter des brèches là pour l'enbaye, mon nom. Mon ça, pour le glisser pour nous, pour le camétel.
Tout bas, il fait à dire. Il y a raison, en fait. Mais on n'a pas eu le bout de travail dans la commission. On écrit au bail d'émission, on ne peut pas expliquer nation pour qui ça. On n'a pas qu'on a travaillé à tête, yo. C'est malgré souffrance population, malgré misère et paysan. C'est quoi ça qu'a payé, non? Faut nous pas bêtiser en République. C'est explication. Explication. D'ailleurs, on est, c'est trop facile. On y crée des consorts, on y démissionne. Oui. Si son bagage ou joigne comme entrave, notre travail, ouais, dis entrave là. Mm-hmm. Si son anomalie ou joigne, c'est pour prendre engagement comme citoyen. Pour dire, mon cher, moi, je ne pas prendre entrer dans tel bagage. Et des républiques là. Mm-hmm. D'accord. Nous avons souligné avec nous, économiste Christian Farel. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe et Radio Caraïbes là, c'est un grand plaisir encore pour répondre à l'invitation. Oui, très bien. Donc quelqu'un comme tu es hier, n'a pas quelqu'un pour aborder avec nous ça qui vient pour avec secteur parlant dans déclaration politique générale Premier ministre mais bien avant, Mirvi Mando, jodi là dans qui état, dans qui situation économique équipe Jovenel Moïse dans ville joindre pays. Comment, qui ça nous a dit comme état, qui est à santé économique? Et bon, situation assez difficile. Bon, je bah, crois que nous avons besoin vraiment, c'est une gros analyse. Nous-mêmes, dans la vie, pas nous sentons comme on a dit, que ce soit au niveau de situation inflation, qui a deux chiffres qu'on y a là, donc à plus de 10%. Nous gagnons également taux de change là, dollar américain atteint ça, les surges psychologiques là, au niveau assez élevé comme ça, façon de dégoût pour dollar américain. Et déficit budgétaire là, malgré que l'équipe privée là, qui est arrivée sous contrôle, et nous connaissons que, et les derniers dépôts qu'a fait là aussi, nous avons gardé, ça a passé là, et jusqu'à le sixième mois, parce qu'il faut nous comprendre bien, l'exercice fiscal là va commencer en janvier, c'est en octobre qu'il a commencé, donc nous avons un sixième mois là. Donc, nous pourrons retrouver avec une situation côté de toutes les dépenses carnaval, toutes les dépenses sous-là, et à l'abandonné, nous sommes dit que nous avons perdu l'argent selon l'autorité. Et chaque mois, nous avons supposé que 1 milliard de gouttes l'a fait pour du côté pétrolier. C'est une taxe qui sur le gouvernement, mais a perdu un pile comme la donne. D'après moi, en mois de février, on a perdu ce 9 millions de gouttes qui étaient entrés sur le milliard là. Gain EDH jusqu'à présent, et c'est énergétique à bramer EDH simplement, qui a perdu l'argent tout, parce que nous connaissons que c'est subventionné à subventionné. Il y a une mission Fonds monétaire international qui est en Haïti récemment là, qui fait qu'on est capable de perdre près de 15 milliards de gouttes d'affaires pour du pétrolier. Donc, si vous ne pouvez pas assez comme, et vous avez sauté en route assez important, donc il y a un déficit budgétaire, il y a un déficit budgétaire à bas où, il faut financer certainement capable peut-être de faire un coup de main. Donc, on met des goûts de circulation et dollars, les mêmes, très rares, parce qu'on va exporter beaucoup plus que ça, et on va continuer à importer. Donc, si on a des grands indicateurs macroéconomiques, donc, nous faut le gouvernement, il peut ajouter une situation assez difficile, et ça, comme au niveau micro, qualité de vie, mon a détérioré, parce que, il y a plus de monde, quand c'est un démographe là, et ne pas croître sur le plan économique, donc, c'est ça, une bonne situation d'extrême pauvreté, hein. Et pas oublier mon facture qu'on prend en début d'exercice fiscal, ça veut dire Mathieu, hein. On va mettre Mathieu sous exercice 2016, là, c'est sous exercice actuel, là. Donc, ce chiffre gouvernement privé, là, qui dit non, c'est 2,7 milliards de dollars américains que nous perdus, au lieu de 1,9 milliards de dollars. Donc, avec 2,7 milliards de dollars de pertes, ça, côté fait, dans Mathieu, donc, ouais, comment que situation économique pays a vraiment est désastreuse pour nous commencer un nouvel exercice, là, et nous pas consentir que le gouvernement, à savoir, M. Jovenel Moïse, qui prend pouvoir depuis janvier, il faut nous rappeler ça. 7 février, il fait un discours et qu'on y a là, pas qu'on connaît, pas qu'on a un budget rectificatif qui est en place. On va dire qu'il faut être déjà déposé, mais il faut être les premières estimations qui côté nous aller, il faut déjà ça en deux documents qui ont été déposés dans le Parlement, ça avec les politiques générales. Là. Oui, pendant de parler des politiques générales, là, on peut arriver sous lit. Comment analyser nous-mêmes? Bon, et j'ai un peu le parlementaire qui souligné, particulièrement les sénateurs, puisque c'est au niveau du Sénat qu'on va les mettre en place. Eh bien, nous avons vraiment gagné un problème de chiffres, mais on analyse de manière globale, parce que ça n'a pas toujours été soit cette conjoncturelle là, pour chaque gouvernement qui le fond, après, la joué. C'est pour nous garder que la démocratie, ça après, n'a pas prévenu, ça prend du temps pour la prendre. Et comment pour chaque compte, il faut pas. On n'a pas garder trois acteurs dans l'affaire politique générale là. On va regarder d'abord, nous qui a mettre en place là, à savoir le gouvernement, puisque c'est eux qui l'a qui peut faire. Deuxièmement, il faut regarder qu'on y a la population, comment vous le voyez tout. Et troisième acteur, c'est ça, on n'est capable le Parlement. Si on regarde la politique générale là, l'irrité encore là, on n'a pas monté dans l'économie, on a regardé ça, on n'est capable de le leadership et management. Quelle vision
qui supposé sorti, qu'est-ce qui vous bat vision et c'est président de la République là. Parce que la constitution, je le mettais dans la capacité pour le pays à fonctionner. C'est un coup entreprise. Entreprise a gagné son chairman, à savoir mon qui est élevé et sa président de la République. Fait. Et nous-mêmes, en Haïti, nous mettons en place, ça avec les premiers ministres, là. Bon, c'est en France d'aller, vous connaissez que la Constitution nous dit ça déjà ici, là, son copie-collé que de fait. Nous disons bon, petit bail en France, ça qui est pas mal, n'allez pas aux États-Unis, on va là-dedans. Donc, est-ce que vous répondez à un homme, nous ne pas connaître. Mais je le mettais là et dis que le premier ministre, c'est ce qu'on appelle le directeur exécutif. Le terme anglophone, c'est-à-dire son CEO, son chief executive officer. Donc, idée président, comment vous allez mettre en exécution, et bien ce CEO, c'est sa premier ministre à travers la politique générale. Comme dit nous, on retourne puis derrière, campagne est mal faite parce que pas de des politiques qui étaient annoncées assez pour les dire, mais politique agricole, politique sécuritaire, moi, mais politique et au niveau étranger, moi, pas de ça que dit. Depuis là, on a commencé à mettre ça pour faire un gros concours où le public est capable de faire choix. Quand il y a la politique générale, là, il faut qu'on deuxième niveau, il faut que l'avion commence à descendre, c'est ça que nous voulons atterrir. Il faut que, notez, du discours 7 février à 17 semaines, il faut que nous sentions une différence, nous ne pouvons pas arrêter tel l'eau, le monde, comme on se dit, ok, d'accord, mais comment politique là, mais comment stratégie, nous allons mettre en place pour atteindre l'objectif que M. Moïse te dit. C'est ça, nous allons atteindre le document, ça. Donc, document, tu es supposé commencer avec un petit chiffre là-dedans. Mais il était en l'air encore. Il a parlé d'agriculture. Nous regardons combien de parties qui a alloué à l'agriculture, puisque c'est priorité que le président lui-même a défini, l'école agriculture. Mais nous n'avons aucun élément pour nous dire, OK, d'accord, qui politique agricole que le gouvernement va l'exécuter, pour nous capables d'arriver, commencer à comprendre. OK. Moi-même, je dis, mes côtés, je vais commencer, pour moi, cibler, même entrer dans le secteur agricole là. Deuxièmement, je vais entrer, qu'on y a là, lorsqu'on veut partir ça, pour dire, OK, mais côté je vais aller de ça, je dis à chiffre, pour commencer à répondre au budget rectificatif là. Je vais retourner sur le thème encore. Budget que M. Privé a déposé, Privé, tu n'as pas qu'à la monnaie encore, puisque le budget, l'État met en place à peu près 122 milliards de gouttes. Là, il y a aussi le même document. Mais c'est ton budget qui te dit, qui t'a, qui te dit, si toute chose était bien, pas de Mathieu, pas de Mathieu dans le budget, eh bien, qu'on y a mis ça qui t'a pas arrivé, c'est pas une croissance de 1,1%, qui est assez faible déjà. C'est un budget qui est plus faible, un prévisionnel. Mais on peut faire un changement parce que M. Moïse vend une série de promesses à pays. On peut commencer à donner ça. Donc, l'instant, ça, on peut retrouver qu'on y a un document où on manque de direction à partir de ça que le président de la République a dit. Et on peut un sénateur qui souligne, qui fait ressortir ça. Et parlementaire, même tout, il faut rien pour faire qu'on y a là. Là, il besoin de ton budget. C'est pas le sort qu'on avec liste. Les petits ponts, les petits ceci, ma bon vote, là, c'est ça pour moi. C'est pas ça l'idée, parce que, comment dire, ou même, faut comprendre d'ailleurs, en attendant, puisque c'est la majorité là, qui le dit, qui est au voilà, et comme tu es capable de comprendre que si chaque une petite liste par eux, leur additionner chaque pont, chaque, tu es capable de dire l'école, chaque hôpital, chaque dispensaire, que chaque sénateur voulait, et les balles sont en bas, je vais plus encore. Non, monsieur Farrell, monsieur Farrell, et c'est Bob. Et je pense que gagner un bagage qui voilé, gagner un discours parlementaire en fait, il fait pour télé, pour le monde qui a gardé. Mais au fond, dans la réalité, il connaît que c'est une hypocrisie. Comment un sénateur fait demander avec le premier ministre? Il faut faire tel bagage pour moi pendant que ce même sénateur ça, il y a un ministre dans l'équipe gouvernementale là. Donc, le premier ministre lui-même, il n'est pas seul monde qui est capable de sénateur à Zalbédon. Ça, sénateur a besoin de tout chercher, il tout mettre en monde. Il est représentant. Donc, quand il y a pouvoir contrôler l'Ian, c'est là. Il peut demander, ça, il peut le faire avec. Est-ce que le cap contrôle les propres têtes? Est-ce que le cap attaque les propres mounes l'Ian? Là, moi-même, pas voulu rentrer dans ça, parce que c'est discoulier, c'est politique. Mais, il y a un point qui est important pour moi, pas qu'on est, ou même si, ou j'ai ton regard sur lui. C'est, les hôpitaux départementaux. Moi-même, je m'étendais, je prends ensemble pour m'étendais, en dans la déclaration politique générale pour le premier ministre nommé, je me sentis là, il y a une erreur ou une faille, parce que dans le genre où il est là, en économie, nous connaissons les anémie, nous connaissons comment coopération internationale et face avec des dossiers capement et je dis qu'à fragiliser davantage. Et puis, je m'étendais des hôpitaux départementaux, là, je m'y perds.
Un hôpital départemental coûtait entre 15 à 20 millions de dollars américains. Merci. Si. Inutile par 70, la bonne idée exactement de chaque salle d'hôpital, ça va coûter. Maintenant, ce n'est pas garder le coût d'investissement à l'hôpital, là, non, parce que il y a des chiffres qu'il a. Il fait une garde dans l'hôpital Bonaïve, il fait une garde dans l'hôpital Jacmel, il y a une tout. Donc, il est très simple pour regarder combien de corps ça a besoin pour construire l'hôpital là. Et maintenant, combien de corps vous faites l'hôpital à fonctionner. Et là, c'est le domaine du Premier ministre là. Là, le plus bon corps passé, vous ne connaissez que réellement. Oui, c'est le domaine là. Vous comprenez? Oui, oui, moi, oui, moi dis, c'est médecin, d'autant plus c'est médecin lié. C'est le domaine dans branche li. C'est ça. Algade coût l'hôpital là, coût d'investissement, algade coût de fonctionnement. Budget actuellement, ministère de la Santé publique, il est autour de 7 milliards de gouttes. Donc ça veut dire que je dis à la, ou pas gagne comme vraiment pour faire l'hôpital là fonctionner. Ou pas gagne, problème n'en poser et nous disons bon l'hôpital aujourd'hui, on va pas gérer. Donc en ce sens, pour se dire dans la réalité, là, eh bien, c'est ça, oui, Bob, c'est pour nous commencer à changer la façon que nous-mêmes, on a fait chaud ça, parce que, oui, il va le dire que pour monter la fête, elle bagaille, mais finalement, comment exercer ça? Il va être mathématique, c'est arithmétique, lié. Mais comme est comme que nous aujourd'hui, dans l'État, 122 milliards de gouttes que nous mettons dans le dernier budget de moi. Si on divise 122 milliards aujourd'hui par 70, il n'y a pas beau 2 milliards de dollars américains. 2 milliards de dollars américains pour près de 11 millions de monde. On a une idée que la bataille, nous vraiment, ça n'est pas capable de mentir dans l'exercice là. Et c'est ça que nous devons voir que nous-mêmes, comme la presse, nous avons un aspect éducatif pour notre là-dedans. Parce que l'exercice là, il faut, depuis leur politique générale là, pour se attirer un cas, et nous avons un autre, nous avons un éducateur. 10 lycées de référence. Oui. 10 lycées de référence et puis ça nous gagne pas un professeur. Professeur pas aller parce que pas qu'à toucher. Ça nous gagne là presque vide parce que puis faut professeur quitter le Chili. Parce que dit le Chili, le vont beaucoup de mentir, yo paye. Ou avec une garantie dans chaque secteur, nous parlons de l'éducation, c'est que c'est l'éducation. Nous devons résoudre, bon, pas de résoudre, nous devons mettre, ça n'est pas capable de le problème du lycée en place, nous mettons, nous investissons mon école, mais je dis à qui qualité l'école qu'on a là. Est-ce que si nous avons acquis l'école là, est-ce que la bas dans nos bagages sérieux vraiment? Donc tu vois, nous n'avons pas de problème. Les lycées qui ont avancé, après le sous-mois, depuis pas qu'à fonctionner. Bandit dit, tu m'en es là, parce qu'il y a un contrôle. Et puis, n'a pas de lycée. Bon lycée, et puis, est-ce que lycée a fait tête les marchés? Qui est-ce qui a fait là devant les professeurs? Est-ce que nous nommons? Est-ce que vous qualifiez? Est-ce que nous encadrons? Est-ce que nous supportons financièrement? Donc, aidez-nous avec les économistes. Non, c'est pas comme tout ça. Mais je ne suis pas venu là aujourd'hui pour nous dire que ce gouvernement, parce que ce n'est pas le premier gouvernement qui fait un bail là. Comment vous mettez fin à ça? Son bon exercice de politique générale là, parce que vous voyez. Mais aujourd'hui, on galvaudé, à savoir nous la gueule, le Premier ministre Vinil, là, mon paquet de bonnes paroles là, et nous parlons qui chiffre là-dedans, nous parlons combien de cobres vous allez dépenser, pour nous avoir une cobre là tout. Parce que, faut me dégager le fin document. Nous devons faire quelque chose pour nous dire mais côté, vous voulez aller. Parce que, moi, tout n'est encore aspect management là. Parce que le premier ministre, c'est exécuter, il va l'exécuter. Il n'y a pas de job là, c'est pas une couille dans le job là, c'est pour dire bon, président, bon job ça, ok, fin acheter une douille. On a encore un bras à terre, vous. Côté, nous avons une cobre là. Et, l'italien a même parlé, c'est comme si nous allons faire une entreprise. Vous voulez faire une entreprise dans un bon accord, c'est pas mes problèmes. Vous faites une étude de marché pour vous. Après, on y a dit, ok, d'accord, mais qui sont les blessés? On y a l'homme qui fait une étude de marché, il faut me faire ça, on plein d'affaires pour vous. Vous voyez, je crois que pour nous capables de faire des demandes qui viennent pour produire ça ou offrir, et bien, mais combien de cobres nous avons besoin pour nous capables de faire? Et bien, combien de cobres nous avons possibilité pour entrer là-dedans? Pour les ministères fiscales. Et bien, pour qu'à d'abdim, sur trois prochaines années, et bien, combien de cobres vous allez supposer entrer? Donc c'est ça le business plan. L'Italie a même l'affaire pour 3 ans. Il dit que pour commencer à exécuter ça, mais 3 prochaines années, mais comment ça dit. Donc voilà l'exercice. Et c'est ça qu'on attend de un premier ministre, quelque chose à s'allier. Hein, et parlement même qui a dit qu'on a dit, bon, ok, d'accord, mais même ça, on va pas capable de faire là, puisque nous avons expérience là, mais comme un corps qui connaît même budget. D'ailleurs, c'était supposé venir avec budget. Le Sénat n'a pas qu'à faire ça. Parce que le Sénat n'a pas jamais ratifié un budget que le dépôt de la CADIA. Mais faut me dire ouais pour la commission financière là, faut me dire ouais commission paraît actif là mais aussi c'est pas pour travailler, c'est pas si pour nous dire pour les ministres mais c'est là même pour capter ouais parler ceci parler cela, faut me dire ouais vient avec budget en cours là puisque c'est ce budget en cours là après pour nous là. Donc si on a des budgets en cours là,
c'est 122 milliards de gouttes, même bon garanti. Si vous avez deviné chaque programme que le Premier ministre a parlé là, vous avez pour 122 milliards de gouttes, vous avez pour au moins 1 000 milliards de gouttes. Donc, nous avons dit, Premier ministre, si vous avez pour vous, dit que là, ambition est bon, mon pape capable d'exécuter, même sur 3e à 4e année. Là. Donc, je suppose que mon annexe un document qui est chiffre là-dedans, qui est pour un budget sur les 3 prochaines années, et le SAMU n'était pas le voter pour la dire. Ok, d'accord, idée que M. Moïse Tebayo, et sans que M. Lafontaine là, bagaille ça faisable, un bon chasse avec. Oui, mais maintenant, dans le même document, ça, et, en tout cas, ensemble de promesses, ça, yo, qu'elle fait là, il y a un peu de monde qui dit qu'il y a une matérialisation dans le budget rectificatif, là, et que le Premier ministre, là, il prévoit déposer, et une fois, la politique générale, il est ratifié dans le niveau chambre de voter. Mais moi, normalement, de là, il y a un ensemble de réformes, tout qu'elle parlait, et il parlait de réformes fiscales, il parlait tout de meilleure gestion publique et ressources publiques, élargir assiette fiscale, lutter contre corruption. Est-ce que vous pensez tout ça hein, est capable d'aider effectivement que rentrer l'argent pour matérialiser ensemble de promesses ça? Bon, ça le dira, et comme on analyse là, c'est exactement le même budget. Le budget, c'est trois façons de faire là-dedans, par les quatre. D'abord, c'est les recettes de l'État, les ressources qu'on fait en d'un pays. Deuxièmement, c'est les dons. Et troisièmement, c'est le financement du budget. En d'un chiffre, nous avons besoin de faire gros paroles là-dedans, et le public est capable de comprendre facilement. Et c'est l'exercice qu'on attend, qui fait dans le Parlement. Nous avons besoin de perdre 14 ans, toute la nuit, pour ne pas qu'il parle, nous qu'à résumer en une heure. Comment on est capable de faire? Eh bien, les ressources fiscales, le gouvernement a espéré entre 76 milliards de gouttes pour l'exercice, ça n'a pas l'air là. Si on a 70 milliards, eh bien, c'est dans un gros succès. En 76 milliards, divisé par 12, ou après combien de comptes que le gouvernement supposait entrer chaque mois. Et depuis le temps, on a demandé au Premier ministre, mais dans ces premiers mois, comment entrer? Si le Premier ministre ne sait pas qu'on est combien de comptes que pendant ces premiers mois, c'est un problème. Parce que c'est pas gérer ça là. Donc, deuxièmement, puisque le budget à 122 milliards, il a espéré entre 76, donc ouais, 76, plus petit que 122. Il faut que nous l'autre côté pour être capable de mettre comme un budget. Deuxième côté, c'est les dons. Donc, ce qui s'allie, c'est bilatéral avec multilatéral. C'est bagaille que les États-Unis et l'Union européenne, comme lui-même, multilatéral, tout le pays, ils mettent ensemble en Europe. C'est Canada. C'est ça, on dit Haïti à Bali pendant la guerre. Il est capable de venir avec multilatéral, tout comme d'autres mondiales. Donc, les retrouvés aujourd'hui à autour de 30 milliards de gouttes. On est que, il était extrêmement élevé après le moment de terre là. Il va suspendre, baisser depuis quelques temps. Sur les 70 plus 30, on peut arriver à 122. C'est ce qu'on a fait toujours. Donc, on peut alors retrouver que, besoin encore, on rallonge. Rallonge, c'est à côté de moi, c'est le financement. Tout ça, le financement lui-même, c'est comme que je peux le prêter, que je peux compléter, ça me manquait. Et je vais faire une analogie rapidement avec vous. Je vais toucher 25 000 gouttes de la radio. Vous voulez dépenser 50 000 gouttes, c'est droit. Si vous avez pour faire, vous avez pour d'abord 25 000 gouttes de la radio. Vous pouvez aller à la rétine de la radio. Si vous avez un cadeau pour vous-même, vous avez un transfert pour vous. Il n'est pas arrivé la différence là. Et bien, on va ajouter à l'île. On a soulevé. Continuer de dépenser 50 000 gouttes, il n'y a pas de problème pour aller prêter. Pour aller prendre un voyage. C'est le même bagage qui est dans l'État. Tout simplement, parler de milliards. Dans l'État, ou même on parle de milliers qui ont pris l'approche. Financement, ça a coûté le sorti. Il sorti de deux côtés. Petro-Caribé, et nous connaissons que le mandat Matéli a été joué dans pas là encore, parce que sur l'époque Matéli a été à peu près 20 milliards de gouttes pendant 3 à 4 premières années qui ont entré parce que le prix baril pétrole a été élevé sur les marchés internationaux. Donc, il est entré comme ça dans Petro-Caribé. Oui. Comme ça a passé de 20 à 10 et récemment, il a atteint 5 milliards. Donc, vous avez moins de capacité pour financer le budget à partir de ça. On y a un capable de venir comme ça, on est capable de venir, on a dit que la Banque centrale là, c'est dette ou fait à l'interne. Vous faites dette à l'externe ou dette à l'externe. Donc, vous voyez qu'il vous l'a un budget avec affaire dette. Donc, on y a l'offre de tout comme ça, qui vont faire même 2 milliards de gouttes là, pour entrer à ce sortir, pour sortir avec. Ça fait l'autre baguette. Comment on va sortir? On va sortir à partir de dépenses courantes avec dépenses d'investissement. Tout ça, dépenses courantes là. Dépenses fonctionnement gouvernement. Il doit avoir une masse salariale là, qui va suspendre augmenter. Parce que ça n'a pas l'intérêt, c'est bon, c'est rentable. Il n'a pas l'état à l'heure. C'est comme, je ne peux pas vendre là, que nous devons être en partie là-dedans. C'est là pour faire comme pour payer un poids. Donc, qu'on y a là, comme ça, pas, j'aime suspendre augmenter. Parce que chaque fois, j'ai le gouvernement, c'est une vague matérielle là avec mon tal. Une vague privée à venir. Je viens d'avoir une deuxième vague par eux. Et.
que de là ou pas qu'à révoquer tout le monde, il y a des gens qui ont été dans le système là. On y a un troisième grade cabinet. Donc chaque fois qu'on a dépensé comme ça, dépenses courantes doivent augmenter, ma salaire a augmenté, vous allez être moins comme pour capable d'arriver à faire investissement pour tout le monde. Parce que bon, c'est la parole de papa, mais bon, c'est des petits. Petit à la barrière, petit. Donc, chaque fois que vous n'avez pas mis tes comptes de côté pour l'éducation d'Aptalea, pour certaines d'Aptalea, et bien, vous arrivez dans une situation qui est ça, vous pas de capacité pour l'en aller nous-mêmes pour quitter une situation qui est intéressante. Au contraire, c'est dette pour vous quitter pour vous. Parce que dette pays d'Haïti passé de moins de 1 million de dollars américains, à maintenant 2 milliards. Il était autour de 500 à 600 millions de dollars américains dans le cas de dette là. Il y a dette là à peu près 2,7 milliards de dollars américains. Mais dette ça qu'il fait pendant 10 dernières années, qu'est-ce qu'il va profiter? Il va profiter à nous-mêmes. Mais ensuite, il va même profiter tout. À tout le monde qui va venir, au contraire. C'est bon, c'est qu'ils ont 4 degrés, ils vont venir à l'élmourir. Après, ils vont payer le moment. Ou même, on va avoir une obligation pour améliorer pour petit monde. Et voilà, c'est dette pour quitter petit monde là. C'est ça. Mais qui ça que le débat politique général a supposé concentrer? C'est parce que c'est économiste, on parle de management. Ok. Que nous pas faire bagarre là au sérieux, et bien exercice là d'une galvaudée, que ce soit document pas bon, parce que ou pas bail chiffre, ou pas bail données, et moi qui pose des questions et tout, je pas concentré sur ça, des besoins concentrés là, on fait des bon mot à droite, bon mot à gauche, on va l'arriver faire travail ça. C'est ça. Et gros point essentiel, M. Farrell, nous t'a aimé aborder avant nous faire place avec Bongon, Bosma Dichon, qui déjà paraît. Gagné un ministre femme, un ministre femme pays d'Haïti, qui te met femme dans femme, pendant que parlementaire tape tout mentel. Bon, des femmes, des messieurs, est-ce que pas petit tête, ou bien, tu veux me blier facile? Je demande pour lui un rapport. Soit on fait l'argent, quoi, c'est même l'argent, peut-être au Caribéen. Et puis, devant mon niveau de rapport, c'est eux qui mangent comme la net. C'est eux qui te gagotent. Et ça, t'es ouvert. Lui-même, il te met courage là, des bras pour dire, nous, cap Philippe, Philippe, ma conne, qu'elle prend cob là, et puis nous gagotent, et puis, qui va prendre bras, lui, nous, encore. Bon, nous, qu'on j'en le passé. Bon, ça, c'était un gros causé. Mais donc, premier ministre, non, dans le discours rêve et réalité, lui, et peut-être qu'il a animé des grandes visions et volonté. Mais, accomplissement, yo. Il n'y a pas en jeu. Il parle moins de questions fonctionnement 24 sur 24. Pays, administration publique et pays en même. Donc, son retour à la vie nocturne. Cap bon 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 moun. Mais, devant dilemme ça, M. Farrell, en plein jour, Mabdou, regardez côté Portail au gagné, regardez côté Matissanye. Nan mi tan Matisan Portail Léogan, m'a parlé de sous-commissariat, bandi, kounya yon pa mache, yon pa mache 4 gen encore, yon 12, descend devant magasin, on moun oui, kap bay service, kap bay moun travail nan pays, oui, devant magasin, yon fait 30 minutes, yon tire sous magasin, yon touye agent sécurité, yon tire moun ki devine acheter, ti sa chè chiko pour aller promener, ti malheureux pour bousquer la vie. Et puis après, yo rentré dans fief yo sans pièce inquiétude. Mais pays, pour le ministre, n'a pas l'aim de fonctionnement 24 sur 24. Pendant moi-même, il commence, bien qu'elle beaucoup fait jour. Ou abvin là, bon Dieu, seul qui on est dans combien de tours est tombé. C'est chaque fois que machine tombe, c'est que vous qui rachez, parce que vous pas fait le drogue, ou pas fait l'argent facile, c'est dans le bas de l'eau qu'on fait, mais on fait li. Chaque fois que machine tombe, que vous rachez. Et puis, dans le fonctionnement 24 sur 24. Comment ça? Bon, nous avantage là bien, bon nous inconvénient qu'a fait le batteria. En fait, moi, quoi que dans le document, on parle de sécurité là-dedans, et sécurité fondamentale, on parle d'investissement, parce que, comment dire, l'économie est son système, c'est comme si on veut monter machine, après il y a plusieurs sous-systèmes là-dedans. Il dit que, bon parti le moteur, elle n'a pas fonctionné, eh bien, il dérangeait tout le système, n'a pas de casse-tête. Donc, c'est le même bagage pour l'économie. Faut pas penser l'économie en vase clou, on dit, ah bon, on va faire investissement, bon, puis on va faire ce. Si on pas de sécurité, on mettait accent sur l'IA, impossible pour faire investissement. Parce que, good là ou bien dollar, Colin Powell, lui-même dit là, il lâche. À savoir, investisseur, c'est le débat clair que le bras sorti garder. Et tout à fait. Continuer, il dit. Si le continuage, il peut, il dit, ah, mon cher, bon, retourne. Et là, il y a un certain nombre de tout. Il y a un certain nombre de temps pour Haïti. Bon, il y a un certain nombre de temps pour Haïti. Il y a un certain nombre de temps pour Haïti. Il y a un certain nombre de temps pour Haïti.
Et c'est ça pour comprendre tout. Donc, sécurité a son élément fondamental pour attirer les investissements. On se baille cas qui est portalé au Ghana, qui est qui était fait comme la lue. Mais là, pour une grande ville de Port-au-Prince, et pour l'agglomération, ça applique qui dans la zone métropolitaine, en tant que phénomène de sécurité, eh bien, on parle de difficultés pour attirer l'investissement. Et ça fait, nous, en économie, nous parlons de productivité et de compétitivité. La question, dans tout élément, ça est retrouvé. C'est pas un idiot, ok, d'accord. Et si m'investir en Haïti, il n'a pas apporté moi plus l'argent, on va aller plus loin que ça. On va garder tout ça bien comme environnement. Ça, il y a environnement des affaires. On va aller banque mondiale faire au niveau mondial, il est doing business. Ou même au niveau de groupe croissance, nous avons travaillé, nous faisons pour l'économique forum, nous relever comme si compétitivité pays. Donc, on investit ce shit à Miami. La guerre des Caraïbes, là, s'il prend Cuba, Jodia, il prend Santo Domingo, il prend République Dominicaine, il prend Haïti. Il garde tout ça bien là-haut. Et pas rien Haïti ou bien rien l'autre là, c'est côté comme lui après rapporter. Ça ne veut pas dire qu'il y a une sécurité de l'autre côté, non? Mais là, regardez de manière globale, lui, ouais, environnement des affaires République Dominicaine, environnement des affaires Cuba et Jamaïque qui bon, donc elle mette comme dans la zone ça. Oui. Et ça fait la politique générale là, obligé de prendre variable ce qui là, ça veut dire sécurité. Instabilité politique qui encore son l'autre. La stabilité politique, tout. Parce que soit, si chaque fois qu'on va faire l'élection, obligé de faire un gouvernement de transition, soit un problème. Y est. Non, mais chaque fois qu'on dit mouvement, manifestation, tout qui est en faire, c'est entreprise, c'est institution. Et puis, conséquences. C'est yon moun alvo, yon chou, c'est yon boule kao, tout de même. Donc, moi. Vous parlez déjà des lignes, monsieur, qui sont passées dans un AKR, monsieur. Oui. Bien content que je dis qu'il y a une solution pour AKR, son gros bagage. Mais lorsque AKR, et pas AKR, c'est vraiment boue, non? C'est pour que AKR, c'est les clés presque pire partie économique dans le pays, en dehors des zones métropolitaines, non? C'est le Nord, c'est la Tibonite. Après l'Ouest, c'est le deux départements qui est plus important sur le terme économique. Donc, l'on bloque ça à tout. Qui message pour vous? Lorsque le Cameroun n'est pas capable de payer, vous ne pouvez pas payer la cause de ça. Et peut-être tout est levé à l'eau. Ça rentre là-dedans. Et c'est ça que Bob s'est attiré l'attention. Ça fait investissement. Vous êtes un petit cas, le portail est Ougan. Mais là, on prend un cas, une machine à mouler. On a perdu 30 000 dollars américains. Mon pas un bon message tout. Et pas, vous investissez étrangers simplement, non? Investissez locaux, tout, à décourager, parce qu'il y a perdu comme, parce que l'activité économique, là, c'est lui qui va générer taxes en pays à l'État investi, lui-même, ça me l'a investi là, l'État actionnel en toute entreprise comme dans pays, parce qu'il n'a pas de taxes à caillou. Donc, si un peu de marché mal, l'État pas fonctionné, et on ne sait pas rentrer, il a des problèmes, là. Donc, c'est exactement sa question d'observation, c'est investissement que, et faut que le Premier ministre, vraiment, il a un plan sécuritaire. Pour les villes et pour le pays et pour la frontière, pour dire exactement mais comment on peut sécuriser l'activité. D'accord. Deux petites questions, Christian Farid, pour nous finir, parce que là, en privé, il y a une tête, même dit, qui ça empêché, par exemple, à part un phénomène d'insécurité, Bob Sotabode, là, qui empêchait, par exemple, factory fonctionner, on a dit 24 sur 24. Qui ça empêché ça, par exemple, non, comment il va s'arrêter, ça, là, parc industriel, non? Oui, parc industriel. Oui, puisque nous connaissons qu'il y a exporté des marques, fait t-shirts, fait l'autre bagaille. Qui ça empêchait que un groupe de monde qui travaille jusqu'à 4 heures, et puis un autre groupe qui travaille de 6 heures jusqu'à minuit, pas qu'on est. Qui côté blocage dans y est? Un très bon point également qui fait un pile débat en tant que pays. Et je crois que le sénateur en a cassé, c'est un pile sous dossier ça. On est qu'aujourd'hui, maintenant, comment fonctionner, c'est 24 sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours. C'est comme ça, mon n'a pas campé. Eh bien, nous, en Haïti, malgré tout le chômage élevé que nous avons, un petit peu de travail, eh bien, ou bien, à Factory a ouvert là, alors bon, petite parenthèse rapidement, puisque bon, c'est à partir d'attention, c'est pour la sécurité. On est que nous, un secteur qui est vraiment dérangé par ce changement là, c'est l'assemblage là. On connaît que Bob s'est sorti dans le sud de Boulevard, n'est pas bon ici, donc il y avait ce carrefour. Donc lorsque je dis à la 6h du soir, c'est noir, et bien ça passe, il va le facteur exposé à bonne qui va carbone, qui dans la rue à délinquant, qui après les âmes sous l'eau. Donc quand on a déjà peur avant de venir à travers là, il faut arriver à l'heure. Donc là, il n'est pas capable de productif parce que l'esprit n'est pas vraiment bien concentré sur le travail pour faire. Font une parenthèse que je fais pour lorsque l'on a changé l'heure. Il a un impact sur l'économie, parce que il pas vraiment aidé, parce qu'il y a un problème énergétique. Pour répondre à la question, là, il dit que tu es supposé qu'un groupe qui vient de travailler de 9h, de 8h, il commence à, ou de 7h, il commence à, pour finir à 4h ou de 5h, il finit. Le groupe, ça a fini,
qui est terrain de gain, faut qu'on l'autre groupe qui est rentré depuis 5 heures, pour le finir par exemple à minuit, il faut lancer dedans. T'as même un troisième groupe qui dit bon, que d'accord, même moi je travaille de minuit pour me finir à 7 heures. Donc ça va le permettre qu'on utilise les machines de rendre le club, j'ai dit à savoir toute la nuit, toute la ou pour 24 heures. Mais c'est pas même monde, non, c'est trois groupes différents. Mon cap travail à 5 heures pour minuit, les mêmes il a bien dormi avant de travailler à 5 heures pour minuit. À minuit, on y a retourné la Cali, mais on retourne encore à Bobsé parce qu'il a retourné la Cali à minuit. Il faut avoir une sécurité dans la rue. C'est ça, tu as parlé de comment mettre sécurisé l'espace là. Et même, puisque je travaille, il est prend minuit pour 5 heures. Même si je fais minuit pour 5 heures, il est monté là quand c'est 10 matin, il fait une activité, il dormi. Donc ça t'a pas permettre que on t'a produit beaucoup plus, on t'a exporté beaucoup plus. Le débat sur qui s'allie, il y a des groupes qui disent que non. Si vous nous travaillez de 5 heures à minuit, il faut payer mon salaire double. C'est là le débat à concentrer. Est-ce que c'est comme ça dans notre pays ou est-ce que c'est comme ça lié? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que pour qui ça vous paye mon salaire double alors que vous êtes dormi la journée? C'est si même vous avez demandé mon travail de 7 heures à 5 heures, vous avez demandé pour faire overtime, vous dites que vous êtes jusqu'à 9 heures, c'est là ça overtime la vie. C'est exactement ça le débat. Pays d'Haïti, et 3 chauffeurs, il y a besoin de travail. Et soit devant le paquet, pour qu'on paquet de monde qui vient dans cette travail, je pense que ça, c'est pour commencer à mettre ça sur les marchés du travail, mettre des lois et bien spécifiées pour ne pas vraiment créer trop de pression sur ça salaire-là pour qu'il y ait plus de travail. Machine-là, pas quitter machine-là, pas faire rien. Mounir-là, et mounir, c'est travailler au travail. Donc c'est arrivé à nos mesures pour nous capables de faire plus de monde à travailler dans le pays. Dernière question, et tout à l'heure, Bob a abordé la question que chaque député, chaque sénateur qui vient, c'est petit pont, petit route, il y a demandé pour zone Bolakayo. Mais m'a dit, est-ce que ça passe résultat, absence, y a plan de développement pour le pays? C'est vrai, on a parlé de ça, on a été dit, on a un plan de développement pour le pays, mais on ne connaît pas sur le courant de lui. Hein? On a un plan de développement pour Haïti? Certainement que ça avait le plan stratégique de développement d'Haïti, qui mettait sous place depuis après tremblement de terre là avec le que le gouvernement Matéli a venu adopter le tout. Il y a quatre piliers là-dedans, pour prendre un acteur de lui, c'est vos fondations territoriales. Parce que ça, après tremblement de terre, nous réalisons réellement que le pays a été concentré, mais toute bagaille, nous tous dans un seul panier, nous mettons dans une métropolitaine. Non? Moi, je dis que si tremblement de terre a été arrivé dans le nord-ouest ou dans le grand-est, nous n'avons pas parlé de tremblement de terre parce que pas dans rien. C'était pas le monde qui a mouru, madame Gore, t'as perdu vraiment. Donc, le monde qui a perdu presque tout le pays d'Haïti, qui m'a été concentré à ce fait-là. C'est de là que nous allons parler de refondation territoriale. Pour être capable d'exploiter le pays. À savoir, parmi toutes les bagages dans une métropolitaine, et particulièrement le département de l'Ouest. Deuxième refondation, c'est la refondation économique. Parce que pour capable de faire une refondation territoriale là bien, pour faire une refondation économique là, parce que pour mon arrêter la région, il faut job la région là. Et c'est à chaque parlementaire, on va le tourner à l'Italia pour commencer à réfléchir. Troisième fondation, c'est la fondation sociale. Parce que même si nous disons que nous ne sommes pas de prince, nous avons le travail dans la zone, mais ben, il faut comprendre qu'il faut avoir l'éducation, il faut avoir la santé dans la zone côté lié. Donc, si vous n'avez pas l'éducation, vous n'avez pas la santé, haïtien remet, investir dans la petite. Bon, pas quelqu'un qui vient de prince, mais qui ça, c'est parce qu'il y a cherché un bon école de petite. Donc, on a parlé de qualité d'éducation tout à l'heure, donc c'est fondamental pour mettre l'éducation dans condition pour mon côté, la zone côté lié. Petit ni capable d'éduquer. Et c'est même bagaille pour santé, parce que si mon n'est pas en santé, il n'y a pas de travail. Et dernier, qu'il y a, qui est fondamental, c'est la bonne gouvernance. À savoir, comment on peut gérer trois premiers piliers, ça. Et, on conseille pour le sénateur avec député, c'est de là pour le parti. C'est pour prendre quatre piliers, ça, après, on fait de manière régionale. Donc, l'ensemble des sénateurs du Nord est supposé dire, ah, on regarde comment zone banane va le développer. Et, la même réflexion, on parle de la stratégie d'Haïti, c'est divisé en quatre régions. La grande région nord, avec le département du nord-ouest, le département du nord et le département du nord-est. Ensuite, les deux départements, l'Antibonite avec le centre et la région transversale, ils prennent l'ouest, ils mettent avec moitié sur l'est, ça peut être à partir, ça n'a pas dit au niveau des frontières. Et le sud-est, ils mettent avec le sud, la grande est et la grande région sud. Tout ça, c'est pour parlementaire, bien ça. L'autre aspect, et politique générale, là, c'est voilà le grand plan supposé lié. Et on supposé lié le PLV même à ce qu'on appelle les objectifs d'accord. Durables. Voilà le management stratégique que pour nous gagner avant de arriver à politique générale, là, m'a appelé encore, c'est l'exécution de tout ça. Premièrement, supposé qu'on ait eu, on a combien comme nous pour l'exécuter pour ça. D'accord. Merci un peu, l'économiste Christian Farel. Avec plaisir. Voilà, bonne journée, Christian Farel, qui était avec nous, Mathieu.